I just said, Father God, I want to say this, amen. Eu quero pedir a Jasmeia por o que é famoso da mensagem da palavra de Deus para ela avançar para a mensagem de Senhor de Deus. Amém. La paix, la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Nous saluons chacun qui présente en salle là, quel que soit la douleur et qualité ou soit dans la vie religieuse ou encore dans la vie nationale. Nous saluons dans le nom de Jésus. Alors, à ce soir, c'est parmi nous qui était supposé tranquille pour la présentation de l'évangile, c'était la sœur nous, parce que Robert, qui est supposé là, mais le témoin de nous, on est capable de succéder. Pour Asoya, pour la gloire de Dieu, nous avons demandé où et capable de prêter mon attention où, puisque ma voix est très rapide, puisque l'air est déjà censé presque une heure. Et si nous déjà lu une bonne partie dans le texte côté, maintenant terminant de sortir, nous avons lu seulement verset de frappe. Et pour nous capables d'avancer, c'est Jean chapitre 10, nous allons lire le 9e verset. Nous capables de suivre avec vous. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera des pâturages. Parole du Seigneur. Non, Moyen-Orient dans le temps antique, ou bien temps passé, eh bien, c'est une zone qui a été gardée pour bon en pile. Et berger ont eu l'habitude de gagner plusieurs bergeries pour être capable eh bien, garder mon bon au cours de la nuit pour voler, pas rentrer ou bien. Les bêtes sauvages ne peuvent pas dévorer mon pain. Tu as gagné une bergerie communautaire, sous l'appli Texa. Eh bien, bergerie, ça, il y a un gardien qui te prend surveillé. Eh bien, quand la nuit va tomber, berger est fini. Chaque monde mettait tout pour pas. Et puis, quand la matinée est rentrée, tout le monde vient. Et puis, le gardien l'ouvre pour être plus capable. Récupérer tout pour eux. Maintenant, il y a un autre type de bergerie, un autre type d'enclos de qu'on fait avec des pierres. Et bergerie, ça, et autour des pierres, ils ont été entourés avec des ronces, des épines, pour être capable d'empêcher de voler, franchir l'espace-là, ou bien les bêtes sauvages au cours de la nuit, être capable de faire des gars dans le temps du bois. Et bergerie, ça, les pattes qui porte. Et c'est berger qui t'a servi comme porte. Parce que berger qui t'a prendre, eh bien, couché, eh bien, dans l'entrée. Si ennemi t'a voulu rentrer pour attaquer le troupeau, eh bien, c'est sous berger qui t'a passé. Et si un troupeau t'a intention pour sortir, qui t'est pas sur là, eh bien, il n'est pas capable de sortir sans pas passer, traverser, eh bien, berger. Nous avons remarqué Jésus-Christ dans l'enseignement, dans la prédication, souvent il utilisait des choses ou encore des réalités qui ont passé dans la vie courante pour lui expliquer des choses futures, côté tout le monde est capable d'essayer de comprendre. Ça l'a dit surtout, mon guité. Ensemble avec Léo, à savoir, disciple Léo. Non, Jean chapitre 10, Jésus-Christ lui a montré l'état lamentable Israël a vivre. Puisque Israël a gagné un pile homme qui était présenté comme des bergers pour le peuple d'Israël. Vous connaissez le peuple d'Israël, c'est un peuple choisi de Dieu. Et bon Dieu choisit le peuple, ça, il mettait
peuple-là à part et libère peuple-là des avantages spirituels, des avantages matériels. Et malheureusement, personne n'y t'apprend. Eh bien, au cours de la route avec l'Éternel, abandonner l'Éternel, abandonner la loi de Dieu pour être capable de faire ou pas tomber dans l'idolâtrie et autres. Eh bien, ben juste que texte a parlé et a fait référence directement avec la nation d'Israël. Jésus-Christ t'a pas gagné pour lui, eh bien, annoncer, eh bien, apparition à travers les prophètes dans le temps. Et c'est pour ça, on va jouer un pile prophète qui a déjà annoncé Jésus va venir. Et Jésus va venir comme le bon berger, comme le berger modèle. Et à savoir, avec l'autre berger Israël qu'on a eu, maintenant qui parle même avec Bekessa, qui parle bien pour lui, fait apparition, à savoir Jésus, eh bien, de Nazareth. Bekessa, dans le temps, ce sont des chefs religieux. Des chefs religieux, on connaît comment M. Sayo était toujours amer. Et à l'égard de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ a opéré dans le temps païen, il a fait des prodiges, il a fait des miracles, guéri des malades. Et M. Sayo était très amer, il a fait un pile complot pour voir comment il était capable d'arrêter Jésus et même tuer. Parce que il n'y a pas d'accord pour Jésus et bien te porter, il n'y a pas de concours avec les troupeaux qui t'a souffri en pile. Et si vous avez besoin de comprendre bien le texte Jean chapitre 10, il faut pas regarder Ézéchiel 34 et Zacharie chapitre 10, chapitre 11, vous va comprendre de qui ça Jésus y a parlé là, comment Ézéchiel n'a pas mettre l'eau dans la bouche. Eh bien, pour te critiquer les bergers de l'époque Israël, comment ils ont maltraité le peuple-là, et soutiré le peuple-là, fait quoi avec le peuple-là, et ils n'ont pas pris ce peuple-là. Mais ils ont déjà annoncé comment que Jésus-Christ, eh bien, les bras gagnés pour lui retourner. Jésus-Christ m'a bien aimé, mes frères et soeurs, dans le Seigneur, à ce moment-là, que n'a bien devant nous là, ou encore, qui n'en témoin. Eh bien, il présentait lui comme eh bien, une sorte de porte à travers le texte nous lit là. Mais Jésus n'est pas une porte capable d'une manière ordinaire. Jésus n'est pas une porte matérielle comme et porte qui existait dans le temps dans la bergerie Israël ou encore au Moyen-Orient. Jésus, c'est une porte surnaturelle. Jésus, c'est une porte spirituelle. Et si vous voulez, on a baptisé Jésus, c'est une porte, eh bien, mystérieuse. Jésus lui-même lié. Et c'est pas sans raison que l'homme lit dans la Bible et dans l'Apocalypse, il déclarait à l'église Philadelphie, je crois, et moi, ouvrir une porte devant. Et pour ça, personne ne pas fermé parce que Jésus c'est pas n'importe porte liée mais c'est une porte surnaturelle, c'est une porte spirituelle, pas une porte et eh bien qui est capable de camper devant pour ça. À ce moment-là, regardez ensemble avec vous d'une manière rapide et eh bien un grand avantage qui gagne les gens choisissent rentrer et eh bien à travers pour ça qui c'est Jésus de Nazareth. Il y a un avantage pour joindre leur choisir l'entrée à travers pour ça, c'est que nos vies inscrites dans un livre. Livre ça, ce n'est pas n'importe quel livre lié, son livre spécial. Livre ça, c'est lui-même le livre de vie. Les gens lisent la Bible pour capable rencontrer ça, et bien, livre ça, c'est le livre de vie. C'est en dans livre ça, tout le monde qui rentre dans porte ça, eh bien, qui recevra le salut ou encore qui sauver, nous sommes inscrits à travers l'Isa, il y a le livre de vie. Ça veut dire que les gens qui rentrent dans le ça, il y a un avantage pour joindre, c'est que nous sommes inscrits dans un livre spécial.
Élisa, vous avez remarqué depuis dans l'Exode, eh bien, le prophète Moïse lui fait référence avec Élisa. Lorsque l'Éternel était, eh bien, très et fâché contre le peuple d'Israël, il te dit, Moïse, m'a déçu le peuple d'Israël, mais vous-même m'a conservé avec famille, m'a permis ou même ma famille de devenir une grande nation. Et Moïse te dit, mon Dieu, non, pas d'accord. Bah d'accord, et si vous faites ça, il a dit que vous êtes incapable de mener le peuple vers la destinée, à savoir la terre promise. Et Moïse dit, l'Éternel, au lieu de déçu le peuple, mieux vaut que vous retirez l'homme dans le livre de Via. Et bon Dieu te dit, Moïse, c'est pas un homme à retirer, mais c'est l'homme qui fortifie ou à retirer la dame. Livre ça, c'est pas la race ou sortie qui permet que l'homme inscrit la dame. Ce n'est pas pour les pauvres qui gagnent. Ce n'est pas pour les cheveux qui gagnent qui permettent que non inscrit dans l'ISA. Mais c'est l'FMP qui admet pour franchir la porte ça, la porte contre que le berger fidèle, eh bien, l'érige lui, à savoir Jésus de Nazareth. Et si vous pouvez franchir la porte ça, c'est sûr et certain, non pour vous inscrit dans l'ISA, ça, c'est le livre de vie. Pour pouvoir bénéficier avantage ça. Livre ça, ma bien-aimée, mes frères et sœurs dans le Seigneur, eh bien, c'est pas classe que le monde fait sous la terre. Ou encore, tu as dit, rang social. C'est pas niveau intellectuel qui permet que nous inscrivons dans livre ça. Ou encore, c'est pas niveau économique ou volume d'argent gagné, volume bien gagné sous la terre, qui permet que nous inscrit dans l'île spéciale ça. Mais l'unique condition pour nous inscrit dans l'île ça, c'est pour franchir pour ça, qui c'est Jésus de Nazareth. Et si on pas franchir pour ça, on met fait ça ou les, on met dit ça l'inertie, pas gagné au monde, qui permet que nous nous inscrivons dans l'Isa. Pour ça, ce n'est pas pour l'église de Dieu la prophétie. Ce n'est pas pour l'église MBSH qui n'a pas foi. Ce n'est pas pour l'église nazaréenne qui a quelques mètres de nous là. Ce n'est pas pour telle ou telle assemblée locale. Il est vrai qu'il faut que vous fassiez une assemblée locale en tant que chrétien. Mais le fait qu'on franchisse pour l'assemblée locale là, ça ne va pas faire nous inscrire dans l'Église de Via. Parce que l'île de Via sont les spécialisés. Nous avons inscrit dans le cahier de l'église locale. Nous avons figuré dans tel cahier. Mais nous n'avons pas inscrit dans le livre de vie. Et c'est pas sans raison. Même l'apôtre Jean ça, lui dit dans l'Apocalypse, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie, eh bien, sera jeté dans le temps de feu et de souffle. Quel que soit le monde, eh bien, non pas inscrit dans le livre de vie, eh bien, Moussa, libre directement dans la place côté qui réservait pour Satan, le diable et ses acolytes. C'est bien malheureux. Et les sables ont pu crier et des grincements dedans. C'est vrai, nous chanter. C'est vrai, nous prêcher. C'est vrai, nous faire en pile activité l'église. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qu'a fait non inscrit dans le livre de vie. Vous chantez bien, c'est vrai. Vous faites soliste, c'est vrai, c'est bien. Vous faites alto, c'est bien. Vous faites soprano, c'est bien. Vous chantez basse, c'est vrai. Mais ça n'a pas fait non inscrit dans le livre de vie. Vous prêchez bien, c'est vrai. Vous détaillez le message bien, c'est vrai. Etc. Ça n'a pas fait non inscrit. Et si vous voulez non inscrit, il faut que vous d'accord, vous franchissez la porte là. Il y a plus de monde qui franchit la porte de l'église locale là. Mais vous ne franchissez pas ça. La porte surnaturelle, Jésus de Nazareth. Et si vous ne franchissez pas ça, c'est la vie à terre. Vous n'avez pas besoin d'un espoir que vous êtes capable d'aller dans la félicité de Dieu. Pas besoin d'un espoir, vous êtes capable
bénéficier la vie éternelle, bien heureuse. Et quel que soit le plan, a bénéficié la vie éternelle. Mais il y a deux types de la vie éternelle. Il y a la vie éternelle, bienheureuse et malheureuse. Car quel que soit l'homme, lui a gagné pour lui ressusciter. S'il mourit, il a gagné pour ressusciter. Quel que soit mon nom. Mais il y a deux groupes. La Bible a relé pour lui relé au brebis. C'est au cas qu'on a qui vous a choisi pour aller, puisque l'homme est libre. À ce nous ne connaissons pas combien de monde eh bien, qui choisit pour franchir pas ça. Combien de monde qui franchit pas ça déjà. Combien de monde qui restait pour franchir. Mais, un fait est certain. Jésus, c'est lui-même qui porte là pour le salut de quiconque. Quel que soit mon nom, quel que soit prince, quel que soit tes rois, quel que soit coût social d'appartenance, si vous voulez gagner la vie éternelle, bienheureuse, il faut qu'on franchisse une barrière. Ça. Cette barrière, à savoir Jésus-Christ, c'est lui-même, le divin berger. Et c'est n'importe ça au besoin pour être capable de rentrer. Et mes bien-aimés, mes frères et soeurs dans le Seigneur, c'est Jésus qui a capacité pour ouvrir bord pour rentrer. Si vous ne pouvez pas passer par Jésus, vous faites quoi avec? Il y a plus de monde qui pense que vous êtes capable de rentrer en passant d'autres chemins. C'est l'unique médiateur. Si vous voulez rentrer, ce n'est pas Jésus qui passe. Vous ne pouvez pas passer de l'autre côté. Il y a des gens qui voulaient passer par Marie, puisque Marie t'a porté Jésus, eh bien, et sur le plan physique. Mais, ils fait fausse route. Marie est encore dans la tombe. Et Marie n'a pas sauvé personne. Faut qu'on franchisse pour ça, si vous voulez sauver. Pour ça, eh bien, le pape n'est pas capable de personne. Pour ça, les chefs religieux de la terre. Pourquoi de la terre qui a pile religion depuis dans le temps? Mais chefs religieux, ça y est, pas capable de les saluer. Quel que soit tes points dans ma roue, mais hélas, vous n'êtes pas capable d'entrer dans la félicité de Dieu. Quel que soit où tes points dans Bouddha, Bouddha n'est pas capable d'offrir le salut. Quel que soit où tes points dans, eh bien, Krishna, Yuna, et chef de la religion, eh bien, de l'hindouisme. Ou pas capable d'arriver et rentrer. Quel que soit, ou t'es, eh bien, quoi, non, eh bien, Charles Roosevelt, eh bien, et le fondateur des témoins de Jéhovah, ou pas capable d'entrer. Quel que soit, maintenant, ou t'es choisi, quoi, non, et les forces surnaturel en dehors de Jésus-Christ. En Haïti, on relève la loi. Quel que soit où tu crois, non, à Goué, il y a un esprit eh bien, qui habitait dans la profondeur des eaux. Quel que soit où tu crois, non, la sirène et tant d'autres, Maître Cafou, Baron Samedi et tant d'autres, il n'y a pas capable de permettre que vous héritez la vie éternelle. Peut-être que vous croyez dans ça, maman, papa, vous quitté, ça vous a servi, ça grand-parent vous a servi. Mais vous n'êtes pas capable de boire le salut éternel. Soufflez le salut éternel, mes frères, mes bien-aimés en Christ. Vous avez besoin de franchir pour ça. Vous avez besoin d'entrer dans pour ça. Et pour ça, c'est Jésus de Nazareth.
Et c'est lui-même qui débat la ville sur la croix pour être capable de sauver l'humanité. Lorsque Jésus était choisi, venu et monté la croix à côté de la souffrance, et il était mouru et rentré dans la profondeur de la terre. Et il était ressuscité comme c'était déjà annoncé. Et de la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ a monté côté de sorti. Et lui annoncer avant même d'y aller qu'il a pour lui retourner parce qu'il a préparé une place. Et dans la place ça, c'est moi qui franchis la porte là, qui a bien opportunité pour capable aller dans la place ça, ça va faire. Il est vrai que il y a plus de monde qui a pu prendre assaut dans tout ça. Jésus-Christ dit ça à travers la Bible. Il y a plus de monde qui t'attendait l'évangile. Mais qui va te franchir la porte là. Il y a des bonnes chantées, il va te franchir la porte là. Il y a des activités, et il va te dire au jour le jour, au sein de l'église. Ça ne veut pas dire que tu as fait l'église. Mais il va te franchir la porte là. Au dernier jour, il va te dire maître, nous devons faire un miracle dans le monde. Nous devons faire ci dans le monde. Nous devons faire ça dans le monde. Nous devons faire un pile de bagaille dans le monde. Jésus a dit, vous ne connaissez pas. Retirez-nous. Allez, côté qui était réservé pour Satan, le diable et ses acolytes. Côté pas de crier et grossement dedans. Ce n'est pas une déception totale pour un pile monde qui a marché l'église locale sur la terre. Mais il n'a pas pris l'évangile là vraiment. Il a marché dans l'église locale là, comme c'est un corps social. Mais il n'y a pas de franchir une porte ça, qui c'est une porte spirituelle, c'est une porte surnaturelle, c'est une porte mystérieuse. Mes frères, amis qui attendent nous, peut-être nous qui attendent nous au cours, et bien aux alentours de l'église là, à travers ce piquet, sans nous qui émettre des sons, m'a dit vous assoyez. Ce n'est pas le premier message que vous entendez. Mais pas grand rien si ce n'est pas le dernier message que vous entendez. L'homme est fragile. La vie de l'homme est courte. Du jour au lendemain, de moment à d'autre, l'homme n'était plus. Mes frères, les amis qui attendent à soi, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour gagner? Pour saisir la main puissante de ce berger, ce divin berger, lui qui est la porte pour le salut, la porte qui sauve, la porte qui libère, la porte, eh bien, pour hériter la vie éternelle. Est-ce que Asroya, ou balader la voix de Dieu, eh bien, quand on est dans son oreille, est-ce qu'on va attendre la voix de Dieu qui a chuchoté dans son oreille, qui a dit avancez, venez, venez joindre moi. Au théâtre chanté, il dit, venez chaque monde qui est plein péché. Christ gagne miséricorde. Il dit, il va par où la paix, la mettre en joie. Seulement, on va croire dans lui et il va sauver. Peut-être, ou bien il va monter le sang. Mais, pour vos gens sauver. À ce moment-là, c'est une occasion pour gagner en plus pour venir, venir joindre Jésus. Même Jean, l'Italie, eh bien, parler et n'entend pas que l'apôtre Jean rapportait. Eh bien, il est le divin berger, le grand berger, le roi des bergers, le berger par excellence. Venir joindre Jésus. À ce moment-là, il va aider, il va avoir la paix, il va avoir la vie, il va avoir tout ça lui-même, il est réservé pour pendant passage, pendant pèlerinage sur la terre. Et on va eh bien, aller réjouir ensemble avec lui des choses extraordinaires, des choses merveilleuses pour les temps et l'éternité. Parce que l'homme va aller eh bien, dans la présence de Dieu pour
eh bien, ça y est qui sauvé pour le temps et l'éternité. Mais l'homme, la vie l'homme sur la terre, il n'est pas là pour longtemps. Quelques années seulement, l'homme a passé sur la terre. Après ça, l'homme, il va le faire oublier la mort. Frère, Zambi, capteur de nous, une dernière fois, avant de remettre le micro, nous invitons à soyez à même pour saisir la puissance de l'humain. Nous invitons à soyez à même pour saisir la même puissance de ce type de péché, de l'homme, ça, non, merveilleux, ça, à savoir Jésus de Nazareth. Et si toutefois, vous faites ça déjà, eh bien, conservez une place où vous êtes en place où vous, puisque selon la parole de Dieu, si vous n'avez pas choisi d'être en place où il y a une opportunité pour perdre une place. Puisque, bon Dieu t'a déjà dit, Moïse, monde qui fortifie, c'est une appétit renouvelé. Dans la vie de filière, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Maintenant, pour nous, tu es inscrit aujourd'hui et demain, on parle encore. À ce moment-là, nous conseillons pour conserver une place forte dans le livre ça, et c'est le livre de filière. Jésus, c'est pour là. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Thank you.